Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 décembre, c'est la Sainte Famille. Ben écoutez, je souhaite une très bonne fête à toutes les familles. Nous allons voir tout de suite ce que Hélène Cady nous dit. Ouvre ton cœur et accepte tous mes dons, parfaits et bons. Ils sont là qui t'attendent, mais beaucoup d'âmes négligent d'ouvrir leur cœur et de tendre leurs mains pour accepter leur juste héritage. Soit elles ont peur de le faire, soit elles ont l'impression qu'elles n'en sont pas dignes, ou tout simplement ne croient pas que c'est là, et donc rejettent ce qui t'attend d'être réclamé par elles. Si tu as de l'argent en banque, mais si tu refuses d'accepter sa présence et de puiser dans cette réserve à cause de ton incrédulité, tu souffres du manque et tu dois t'en passer. Mes réserves sont pleines à déborder, tout ce que j'ai à toi, mais tu dois faire quelque chose pour cela. Tu dois réclamer ce qui t'appartient. Tu ne peux pas vivre cette vie spirituelle si tu ne crois pas qu'elle t'appartient et ne la réclame pas. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont là maintenant. Allez, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voyons voir ça. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Waouh, ça c'est génial. Engagement. Ah bah écoutez, hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on parle de flirt. Alors, c'est peut-être qu'au départ, on s'offrait une énergie de liberté aux autres, hein, donc flirt. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, on a vraiment cette sensation qu'on vous fait comprendre que les choses vont aller tranquillement, mais sûrement. Vous voyez, c'est vraiment cette connotation que j'ai. Donc, une relation qui vient et qui se construit tranquillement, mais sûrement. D'ailleurs, avec la clé, on vous parle de nouvelles possibilités. On vous parle d'opportunités. On vous parle d'ouverture spirituelle. On est beaucoup dans la spiritualité, surtout en ce moment, ce qui me paraît un petit peu normal. On vous dit avec la tour que vous avez la réussite qui est pour vous, la force, le courage, la détermination. C'est le commencement de quelque chose par rapport à un but que vous étiez donné. Et avec le corps de fer, on vous dit que vous avez une autoprotection spirituelle. Vous êtes puissant, vous êtes loyal. Il y a une force de caractère. Donc, tout va vous réussir puisque vous avez une très, très belle protection en ce dimanche. On continue avec l'oracle d'Itae où on me parle de décisions et de choix que vous devez faire pour ces changements qui est important de faire parce que ils sont là, ils sont présents. C'est pour votre bien, c'est certain. D'ailleurs, il y a la porte qui s'ouvre sur le nouveau changement, période de transition, un nouvel horizon qui est à votre portée. Donc, il y a bien cette sensation de renouveau qui se fait pour vous et qui est très, très, très forte et très puissante. Et puis, avec les dunes, on vous dit qu'effectivement, ce qui vous arrive, c'est certainement après une période de stérilité et de pauvreté, puisque maintenant, vous allez dans la réussite et la richesse. Encore les symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer, de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Donc, on a vraiment cette carte du changement et des choses merveilleuses qui vous arrivent. Pelée, la déesse du feu. Prenez votre force en main. Dites-vous oui. Givez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. Donc, on vous le dit bien. On est vraiment sur quelque chose de juste extraordinaire qui vous tombe dessus et qui est importante pour vous. Et une dernière carte. Allez, je vous dis, c'est parti. On vous dit, le secret de mon pouvoir de concentration réside dans mon amour de la vie et mon désir de construire pour moi-même et pour les autres. Si vous regardez bien, on vous a répété très souvent la même chose durant toute cette semaine. Donc, si nécessaire, regardez, revisualisez un petit peu les vidéos. Vous verrez qu'en fait, on vous redonne le même message. Et c'est vraiment, on vous parle vraiment d'éveil spirituel, de changement et de changement extraordinaire. Donc, accueillez, ça va être vraiment juste super. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.